Yo tout le monde, c'est Zéro les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Et aujourd'hui les gars, nous allons tester une nouvelle map française. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, juste après l'intro. Ok les gars, donc j'espère que vous allez bien, c'est Zero. Aujourd'hui, je vais vous faire une découverte de map qui s'appelle Vieux Marais de Xelma Modding, les amis. Donc de suite, avant que la vidéo commence, je vais vous dire que la map n'est pas encore en DL. Je suis là pour la tester et pour vous faire une vidéo, pour vous faire plaisir, bien évidemment. Donc la map n'est pas encore disponible car elle est en test, hein. Donc je remercie Xelma Modding, les amis, qui m'a envoyé sa map, du coup, hier matin. Ça fait hyper plaisir. Et du coup, toutes ces infos, Facebook, YouTube, sera en description. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui demander, ou allez même aller vous abonner à sa chaîne, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir et à lui aussi, tout simplement. Donc merci à toi Xelma de me l'avoir envoyé. Et vous allez voir que sur cette map, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont assez cool sur une map française, hein. Et du coup, voilà, tout simplement. Du coup, voilà, les amis, on est sur Vieux Marais, donc une map française, hein, qui est assez belle. J'espère que le petit plan du début, du coup, vous auront plu, les amis. Hop, voilà. Donc les amis, voilà, ici on est, et je vais aussi vous dire les points de vue que j'aime sur la map et non que j'aime pas sur la map, hein. Mais après c'est une version test, donc ne pas critiquer ni rien, parce que surtout c'est une version test. Et du coup voilà, c'est une version test, et puis Xelma c'est lui qui a fait la campagne Xevaltienne aussi, hein, qui était assez vieille, et qui était assez vieille, qui était assez connue, et il a fait une version V2 de la map, c'est ça qui est assez cool je trouve. Et du coup bah voilà, aujourd'hui on est sur Vieux Marais, donc voilà, je vais vous faire le PDA. Le PDA qui s'intitule comme ça, donc Vieux Marais version test, hein, c'est pas le vrai PDA. On peut faire du forestier, du TP, de la pisciculture, on verra ça juste après les amis. Bah voilà. Du coup les amis, ici on est à la ferme des vaches, ok. Donc ferme des vaches qui est assez cool, hein, assez petite, comme par exemple des fermes françaises en campagne ou autre. Donc voilà, on commence directement ici par le matos, bah, je l'ai pas acheté ce matos. Donc là on commence avec un case, un 1455 avec une benne derrière. Un peu de déco, là on commence avec la batteuse de base, la barre de coupe et puis un chariot. là c'est un steyer, ouais. Un steyer avec un épandeur à engrais. Ensuite, la vieille stabulation qui est assez cool, hein, qui est assez belle aussi, qui est une vieille stabu. Là c'est pour prendre le lisier, si je me trompe pas. Lisier, le lisier est juste là. Ensuite, il y a quoi? Donc là, c'est la prairie des vaches, les amis. Je savais pas que c'était là la prairie parce qu'au début, j'avais pas vu la stabule, j'ai peiné à peiner. J'ai rien un peu sur la map et je trouvais pas trop. Donc voilà, ici, les amis, on est à la ferme des vaches, tout simplement. Là, un petit 2, ça franchement qu'on le voit pas souvent. C'est un 2 ou un Renault? Ouais. C'est 2, ça. Je me disais, je crois que j'ai vu le logo de Renault, mais non. Là, il y a une charrue du coup, 4 corps. Avec un petit déchaumeur à dents juste là à côté. Donc voilà, ça fait longtemps les petits, des petits lieux comme ça, on les voit pas souvent. Et du coup ça fait plaisir, un petit hangar ici, un petit atelier on peut dire ça. Avec bah, tout ce qui est tout ce qui est compresseur ou autre, hein, atelier quoi. Ensuite, donc là un peu de déco de tracteur de carcasse. Bon les poules bien sûr qui sont en décoration.
Juste en face de quand on arrive sur la route principale. La petite maison, donc on peut dire que c'est si besoin, je voulais vraiment jouer RPE là sur cette map, vous pouvez dire que c'est la maison de l'agriculteur hein, qui sera juste là. Ensuite, ce qu'il y a, les amis. On va aller là. Donc les amis, voilà, on arrive dans la commune, dans le bourg de la ville, du coup du village, de la map. Et ça c'est assez cool parce qu'on voit de plus en plus du coup des petits trucs comme ça, genre des boulangeries, des boucheries, pour la poste et tout dans plusieurs maps françaises. Et ça franchement, ça commence à se développer, qui est assez cool. Même l'église, hein, ça fait, on en voit vraiment beaucoup en ce moment, ça fait plaisir. Du coup, une église, les amis, qui sonne, hein, qui entend le petit bruit, que c'est midi. Hein. Là, on a un boulanger et un pâtissier juste ici. La poste et là c'est un bar bien sûr, donc bien sûr c'est que fonctionnel les amis, ça ne marche pas. Là bah une petite maison et un petit garage. Ici on arrive juste là, alors. Allez attends. Ah d'accord, faut laisser appuyer, ok je crois que ça a bugué, non faut laisser appuyer. Ok. Donc les amis, ici on a une benne juste là, et là les amis vous allez voir qu'il y a un truc assez stylé. On peut, du coup Zelma m'a donné avec. En fait moi j'ai eu la cellule, vous voyez comme le farmer a fait en vidéo, une cellule, placer une cellule, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo comme ça, pas trop copiée sur le farmer, hein, mais une vidéo comme ce type là, dites-moi en commentaire si vous en voulez une. Et du coup c'est dans divers, il m'a dit que la cellule était dedans, donc je vais l'acheter, mais on la mettra pas, si vous voulez une vidéo dites-moi, parce que je pense qu'elle sera quand même, je sais pas si elle sera avec la map, mais je pense du coup. Et du coup bah voilà, là on a aussi du matos, hein, des charrues ou autre, une charrue, là une petite palette. Là pareil, donc là un atelier, donc en fait il y a plusieurs fermes. Et là en fait c'est qu'un coin céréalier, on peut dire ça comme ça. Et on peut voir que ce bâtiment les amis là, il est connu sur la campagne Xemaltienne hein. Ce bâtiment là, c'est sûr que je l'ai reconnu. Le petit bâtiment rouge, voilà. Ensuite donc le petit chemin. Donc les amis, c'est une version test, elle est loin, la map est loin d'être finie, donc vous inquiétez pas. Ou je pense qu'elle est finie, je ne sais pas, j'ai pas plus de... J'ai pas plus parlé que ça avec bah du coup Xelma. Hein. Ici on est au concessionnaire si je me trompe pas, hein, je pense que c'est ça. Hein. Activer le menu, ouais. On est au concessionnaire les amis, qui est juste là, qui est assez simple, qui est assez cool. Ici alors, là, voilà. Donc là on arrive là. Ensuite une petite route normale, le petit bourg là-bas. Et là les amis vous pouvez voir que ah là-bas, ok. Il n'y a aucun champ de semé, donc là c'est assez bien, hein. Franchement des fois c'est peut-être bien. Donc ici les amis, donc il y a une fonction TP qui est fonctionnelle si je me trompe pas. Donc là on peut prendre du sable, des cailloux, des pierres, de la terre et tout. Donc voilà, juste là, on peut prendre du sable, ça une fonction TP qui est assez cool parce qu'au moins voilà, il a pu faire quelques fonctions sur cette map, et c'est ça qui c'est cool je trouve. Ensuite... Il y a quoi d'autre? Là c'est un petit champ à faucher, après là-bas c'est la fin de la map tout simplement. Et là du coup c'est... Ah! Alors attendez. Merde, pardon. Là les gars je suis encore avec mon ancien micro parce que du coup mon antipop arrive dans quelques jours, 5-6 jours. Donc je ferai des vidéos avec mon nouveau micro maintenant, bientôt. Alors les amis, ici on est où par contre? C'est les cochons, c'est quoi? Je pense que c'est les cochons vu qu'un peu il y a un peu de boue et tout. Donc les amis, ici c'est les cochons, donc voilà, les cochons avec un bâtiment qu'on peut stocker notre matériel ou les bottes ou autre, hein. Avec, bah là, par contre cette texture elle est vraiment hyper belle, ça qui rend assez bien, et franchement je suis vraiment fluide sur la map, 100 FPS constant, ça c'est cool. La petite maison qui va bien toujours, hein, quand il y a une petite exploitation, il y a toujours ça, ça c'est cool. Donc là les gars, partie cochon, juste ici, hein. Un enclos qui est assez gros je trouve. Ici, il y a la COP, donc vraiment, j'adore cette COP, c'est vraiment une COP française, on peut dire ça comme ça. Et là, vous pouvez écouter moi ce bruit, les amis. Je sais pas si vous l'entendez, mais franchement, on entend le bruit un peu, vous voyez, des trucs, des cellules dedans qui tournent et tout, qui stockent. Donc voilà, vous venez ici, vous videz, vous passez par là, paf, vous passez par là ou même par là. Je sais pas où vous passez, je pense, vous allez tout droit, vous videz, ils vont partir par derrière. Comme ça, vous pouvez voir quand vous êtes plein là, ça fait combien de kilos, et quand vous ressortez, ça fait combien de kilos tout simplement. Donc voilà, c'est un truc, c'est une cop assez basique française qui est assez cool en ce moment, qui est assez cool, tout le monde l'aimait, c'est ça qui est assez cool je trouve. Ensuite, ici un petit étang les amis, oh je l'ai pas vu ça. Un petit étang, ouais, un petit lac avec un petit pont qui sépare du coup les deux petits étangs, c'est assez bien fait je trouve. Là il y a aussi un étang qui est assez cool. Ah, c'est quoi, j'ai pas vu là. Alors les amis, ici c'est quoi? Ils disent pas parce que du coup il est pas fini. Il est pas fini le petit truc. Du coup. Ouais,
Ouais, c'est pas fini, donc je peux pas savoir trop c'est quoi. Je pense que c'est des patates ici. Patates ou betteraves, je pense. Je suis vraiment pas sûr, mais là, on peut voir qu'il y a on va dire, des petits silos. Avec là, un petit bâtiment. On peut pas trop savoir. Mais bon, c'est pas grave. Là encore les petits étangs, il y a beaucoup de petits étangs, c'est assez beau, qui va assez le charme de la map. Vous pouvez voir que là voilà, on se met comme ça, on voit un petit étang, c'est assez cool je trouve. Ensuite, bah voilà les amis, c'est vraiment une petite map qui a vraiment assez. Il y a beaucoup de champs. Et franchement, ça qui fait plaisir, par contre, c'est les moutons. J'ai pas trouvé les moutons. Alors, est-ce qu'il y a. Ah. Attendez. Ici, on n'a pas fait. Alors, ici, un petit bâtiment avec tout simplement bah, où on peut ranger notre matos, je pense. Bon, on peut ranger quelques tracteurs. Avec une petite mais. Bon, en fait, on dirait. C'est quoi ce bâtiment? Il me rappelle quelque chose. Ah, d'accord, les moutons. C'est les moutons, juste là. D'accord, voilà, c'est bon. Quand on en parle, je les trouve. Donc, ça, c'est les moutons, les amis, si je me trompe pas. Xelma, vu que tu regardes les vidéos, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Donc, voilà, ok. Donc, là, les amis, c'est les moutons. Donc, du coup, voilà. Ici, les moutons, les cochons qui sont là-bas et les vaches. Moi, je trouve par contre que l'enclos des vaches, hein, je dis un peu mes avis, que l'enclos des vaches est assez petit par rapport genre, aux moutons ou aux cochons, hein. C'est assez petit. Ensuite, après, voilà, il attend de s'améliorer. C'est vraiment pour lui. Ça, c'est un petit bâtiment de stockage qui est juste ici. Là, on dirait que c'est de la laine. Attendez, alors. Ah, sheep. Ouais, sheep. Donc, c'est pour les moutons. Donc, les amis, ici, je pense qu'on peut faire de la laine ou c'est juste de la déco. Je suis vraiment pas sûr. Là, la petite maison de TP, du coup, qui est en construction. Donc, je pense qu'ici, il y aurait moyen de faire un petit chantier de TP. Hein. Je pense que c'est pas forcément que de la déco. Et là, la scierie, ok. Là, on peut faire du bois comme c'était marqué sur le PDA. C'est marqué sur le PDA ou pas? Ouais, foresterie. Donc, après, on emmène tout ça là. Et là, c'est fonctionnel, je pense. Faut les portes ou pas? Non, pas les portes. Mais du coup, voilà. On entend vraiment le bruit. Du coup, tout à l'heure, j'avais vu un bâtiment. Là, attendez, je suis bloqué dans la maison. Dépêche-toi. Ici, c'est là qu'on peut vendre nos animaux, les amis. Donc, on recule les clairs-morques avec la bétaillère. Et après, directement, on a les moutons, les cochons et les vaches qu'on peut acheter ou vendre ici hein, pour faire roleplay. J'ai vu un bâtiment tout à l'heure. Il est où? Ça, je l'ai dit ou pas? Oui, c'est les cochons. Ensuite, ça, je l'ai dit ou pas? Oui, j'ai dit. Ah, ça me saoule. Je voulais vraiment vous faire voir. Ah, ça me saoule, ça me saoule. Ah! Non. Peut-être là-bas. Ok, c'est là. Donc là, les amis, voilà, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est la pisciculture. Ah oui, c'est la pisciculture. Il y a des petits poissons. Il y a des poissons, les gars, dans l'étang. Et franchement, c'est assez stylé, je trouve. La pisciculture qu'on peut faire ici. Et après, Arsenic, il fait le. Ah, Zelman le fait, donc c'est assez cool. On peut voir un peu les poissons. Les poissons. Alors, attends. Voilà, salut toi! Donc les poissons les amis ici. Donc voilà, la pisciculture qui est juste ici. Donc je me demandais c'était quoi les bâtiments, mais du coup c'est les poissons. Ok. Je voulais juste voir dans les étangs, genre ici, est-ce qu'il y a des poissons ici aussi? Je pense pas. Il n'y a pas de poissons, il n'y a que des poissons là-bas. Ok. Donc du coup les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir cette vidéo. En tout cas, moi ça m'aura fait un plaisir de vous la tourner du coup. Merci Xelma du coup m'avoir envoyé ta map. C'est assez cool, ça fait super plaisir du coup. Je te remercie à toi les gars, tous les liens de Xelma sont en description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, il fait des bonnes vidéos. Et franchement, ça casse, c'est cool les gars. En tout cas, c'était Zero et je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao les gars. Mon prince charmant me distrait, moi je veux tout faire comme dans le monde de Disney. J'aimerais vivre dans le monde de Disney, avoir la belle vie comme Sacha Distel. Je sens que mes souvenirs se distillent, donc ramenez-moi tout de suite dans le monde de Disney. Dans la vie réelle, les génies n'existent pas. Trois, veux-tu te fous de moi? Dans la vie réelle,